Bienvenue dans notre nouveau magazine Armagnacs. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Didier Zanette, spécialiste de l'art océanien et aborigène. Un vrai aventurier. Je vous dis à tout de suite. Didier, pourriez-vous me dire ce qu'est l'art océanien et qu'est-ce qu'il vous évoque surtout ? Ça évoque pour moi une chose importante dans ma vie, puisque j'ai débarqué en Océanie en 1990, soit à peu près 30 ans auparavant. Mais c'est surtout un monde incroyable, un monde fait d'îles, bien évidemment, de toutes petites îles, mais aussi des plus grandes îles sur la planète. Je parle de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est considérée comme la troisième plus grande île au monde, avec des montagnes qui culminent à plus de 5000 mètres d'altitude. Et en fait, toute l'histoire de l'Océanie tourne autour de ces grandes îles que sont l'Australie, la Papouasie et également la Polynésie. Alors moi, personnellement, j'ai vécu près de 25 ans dans ces régions-là et principalement en Mélanésie. La Mélanésie, c'est cet arc d'îles qui part de la Nouvelle-Calédonie et qui remonte jusqu'en Papouasie. Et c'est là que j'ai décidé de partir à l'aventure après une expérience bancaire que j'ai eue en Nouvelle-Calédonie et en Australie. L'Océanie, c'est donc pour moi une très grande partie de ma vie, puisque près de 30 ans, j'y ai vécu. Et j'ai décidé un beau moment de quitter le monde conventionnel, puisque je travaillais dans la banque, et de partir à l'aventure. Je dis aventure parce que, bien évidemment, quand on part dans ces îles-là, on ne sait pas ce qu'on va trouver, à part des peuples qui ont été extraordinaires avec moi, que ce soit des petites îles comme le Vanuatu, les îles Salomon, les Fidji, mais également l'Australie, avant tout l'Australie avec le peuple aborigène, que j'ai découvert en 1990 lorsque je remarquais des peintures fantastiques, des peintures qu'on appelle... l'art aborigène et qui remonte à plus de 60 000 ans sur notre ère. Et puis la Papouasie qui a été ce plongeon dans l'inconnu qui m'a ravi pendant les 15 ans que j'ai passé pleinement dans ces régions-là. Alors comment passe-t-on de banquier à chasseur d'art ? C'est une grande décision, d'abord c'est une décision de vie. Il faut avoir un petit peu de courage, bien évidemment, parce qu'on sait qu'on perd un métier qui nous fait bien vivre pour partir dans l'inconnu. J'avais envie de liberté à cette époque-là, de partir comme ça, rencontrer les peuples que l'on dit primitifs, mais qui ne le sont pas du tout en fait, puisqu'ils ont de grandes connaissances liées à la nature et à l'environnement dans lequel ils vivent. J'ai été tout de suite séduit par ces populations-là. J'ai aimé aller à la rencontre et essayer de comprendre un petit peu leur mode de vie. Et tout cela au travers de l'art. Parce que l'art, je trouve, est un lien universel. Même si pour ces populations, l'art n'est pas le concept que l'occidental va donner. L'art chez eux est la vie perpétuelle, en fait. Les sculpteurs, les peintres peignent, que ce soit en Australie pour rendre hommage à leurs ancêtres, et les sculpteurs en Papouasie-Nouvelle-Guinée sculptent également pour favoriser des cultures au travers de certaines cérémonies,
pour favoriser la chasse, pour favoriser certaines guerres tribales qui ont malheureusement été présentes tout au cours de leur vie. J'ai apprécié énormément ce monde artistique, très varié, très riche. Ça m'a beaucoup aidé à aller dans ces pays, parfois dangereux. Il faut dire que la Papouasie-Nouvelle-Guinée est... C'est hostile. C'est vrai, c'est un monde qui n'est pas facile à approcher d'un point de vue déjà... Psychologiquement ? Alors, psychologiquement, c'est vrai qu'il faut se préparer, même physiquement, puisque ce sont des zones où on doit beaucoup marcher. Il faut connaître un petit peu le langage local. J'ai appris hein, le pidgin, bien évidemment. C'est-à-dire le pidgin ? Et le pidgin, c'est un anglais très raccourci. C'est une forme de langue assez facile à apprendre, lorsqu'on connaît un petit peu l'anglais, bien évidemment. Et j'ai beaucoup apprécié à parler avec les papous des différentes régions, puisque le pidgin, c'est le langage qui correspond à toutes les populations de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais il faut savoir qu'il y a plus de 850 langues dans cette île-là. Vous imaginez que entre des montagnes à 5000 mètres d'altitude et les gens qui vivent dans les îles à proximité ou sur les côtes, même le physique des gens n'est pas le même. Donc le pidgin relie toutes ces populations et il faut quand même avouer que j'avais bien évidemment des guides à chaque fois locaux de chaque village qui pouvaient traduire toutes les informations concernant l'art et s'exprimer également en anglais avec moi, avec certains. Tomorrow, Big Sing Sing. Yeah. OK. Quelles sont les matières premières qui sont utilisées pour l'art océanien ? Que ce soit les Papous, les îles Salomon ou le Vanuatu, voire même la Nouvelle-Calédonie, le bois est utilisé essentiellement dans la sculpture des objets, mais sur les bois sont insérés des coquillages, des fibres, certains pigments naturels que l'on retrouve dans les arbres ou dans les terres colorées, les ocres de terre. Par exemple, la peinture acrylique est arrivée tardivement dans ces régions-là, mais on se rend compte que l'intelligence artistique et la créativité de ces gens-là est tellement exacerbée qu'elle s'imprègne de tout ce qui peut arriver et ils les insèrent dans leurs objets artistiques. Pour la partie aborigène, par exemple, les artistes ont peint depuis 60 000 ans, c'était sur les grottes avec des ocres de terre bien évidemment, et c'est en 1970 qu'on a commencé à introduire l'acrylique. L'acrylique était le médium le plus simple à utiliser d'un point de vue séchage de peinture, puisque, comme vous le savez, les peintres aborigènes peignent à plat sur le sol et parfois sur le sable, donc la peinture séchait rapidement et il était impossible d'utiliser la peinture à l'huile. J'ai vu qu'également vous étiez passionné d'art aborigène. Oui, l'art aborigène, ça a été un choc émotionnel justement quand je suis arrivé en 1990 et que j'ai commencé à travailler pour une banque australienne. J'ai découvert dans les galeries de Sydney cet art foisonnant, parfois psychédélique. Et j'ai tout de suite accroché avec cette sensibilité artistique. J'ai commencé à collectionner justement des tableaux à partir de cette période-là. Et j'ai voulu en savoir plus lorsque j'ai quitté la banque en 2003. Je me suis dirigé vers le désert australien et je suis allé à la rencontre de ces artistes. J'ai passé quelques semaines. Combien de temps ? Alors justement, combien de temps et à quelle fréquence ? Je partageais mon temps entre le désert australien et la jungle de Papouasie ou les îles comme les îles Salomon et le Vanuatu. Et bien sûr, je rentrais en Nouvelle-Calédonie où j'avais ma base, ma famille qui m'attendait. J'avais ouvert également une galerie qui me permettait d'exposer certaines des œuvres que je ramenais. Et en fait, je partais environ 7 mois par an dans ces régions-là. Quand même. Oui, c'était... C'est une passion. Quand vous avez une passion et la possibilité de l'exercer, ça facilite quand même grandement les expéditions, même si je pouvais partir avec la boule au ventre, d'avoir peur d'aller dans certaines régions de Papouasie. Une fois que j'étais sur place, la magie opérait tout de suite. Les gens, l'accueil,
Et même si parfois des populations n'appréciaient pas ma présence, ça n'était pas la majorité du temps. Les risques étaient présents lorsqu'on avait affaire à des rascals, ces espèces de bandits de grand chemin qu'on rencontrait en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais la passion de la découverte, de la recherche, la marche dans la nature, les discussions avec ces gens-là, toute cette transmission au niveau artistique et de la vie était tellement plus importante que les risques encourus, que j'étais heureux de faire ce métier, puisqu'en fait, j'en ai fait mon métier, j'ai fait de ma passion un métier. Mm-hmm. Et du coup, pour les aborigènes d'Australie, je partais avec eux dans le désert. Bien évidemment, j'ai d'abord travaillé avec certains centres d'action dispersés dans le désert central australien. Et ensuite, j'ai rencontré quand même des artistes qui s'étaient un petit peu échappés de ces centres, des artistes assez bien placés, on va dire, déjà dans le monde de l'exposition internationale. Et je suis allé travailler avec eux, je suis allé vivre avec eux. J'ai appris également à me diriger dans les déserts, à reconnaître les oiseaux qui allaient se poser à des endroits pour trouver de l'eau, par exemple. Je suis allé chasser avec eux pour manger des lézards. Les femmes m'emmenaient trouver des baies sauvages. En fait, il y avait toute cette harmonie qui s'exerçait à chaque fois que j'y allais pour découvrir un peuple qui est peut-être le peuple le plus ancien sur la Terre. En tous les cas, vous savez, on a retrouvé des traces de peinture dans des grottes, la peinture pariétale, qui date de 60 000 ans. Juste pour vous situer le niveau de période artistique par rapport aux grottes de Lascaux que tout le monde connaît, les grottes de Lascaux, c'est 19 000 ans. Et là, on parle de 60 000 ans. C'est un peuple qui a eu cette tradition de peindre et de transmettre des informations au travers la peinture qui se faisait sur le corps avant ou sur le sable. C'était de la peinture éphémère, parce que c'était leur seul moyen de transmettre des informations à leurs enfants. Et ils ont gardé pendant toutes ces millénaires cette tradition orale de passer l'information des origines à nos jours. Et aujourd'hui, la peinture, c'est bien évidemment a évolué grâce à l'utilisation de nouvelles couleurs, puisqu'avant, on utilisait souvent que les ocres de terre, le blanc, les rouges, les marrons, les noirs. Et la peinture acrylique a ouvert l'espace du champ artistique à ces artistes. Et c'est devenu, pour moi, un des grands courants artistiques de la fin du XXe siècle. On peut dire qu'il y a eu un renouveau artistique au début du XXe siècle grâce à l'art premier et justement à l'arrivée de ces objets dits primitifs, mais qui en fait ont apporté cette nouveauté et ce souffle sur l'art contemporain occidental. Ça a été une période, je pense, assez incroyable. Mais du reste, aujourd'hui, je pense que tout le monde s'accorde à dire que les grandes œuvres, qu'elles soient africaines ou océaniennes, n'ont rien à envier aux œuvres italiennes, qui sont d'un autre niveau visuel, mais qui atteignent aujourd'hui des prix extraordinaires en vente aux enchères également. Le pointillisme, c'est cette technique qu'utilisent les aborigènes pour faire vibrer la toile. L'objectif d'un peintre aborigène, d'un artiste, c'est de rendre hommage aux ancêtres et c'est de parler de l'époque de ce temps du rêve. On parle de dream time, dreaming time. Le pointillisme est donc cette méthode de travail qui permet de cacher certains, par le geste du point, de cacher certains motifs que seuls des initiés ont le droit de créer dans les castes aborigènes. Et il donne cette vibration qui nous émeut tous lorsqu'on regarde un tableau aborigène. C'est devenu leur marque de fabrique. Même si les femmes ont plus tendance à réaliser des points très très petits et minutieux, les artistes hommes font le geste du point mais l'étirent. Et du coup, sur les tableaux réalisés par les artistes hommes, on voit plutôt des lignes, mais qui sont en fait des points qui sont étirés. J'ai eu la chance de pouvoir filmer de grands artistes comme Roni Champijimpa dans le désert, qui a réalisé plusieurs toiles devant moi, qui donne toute cette force aux traits
à poser sur la toile avec deux, trois couleurs, le rouge, le jaune, le noir. C'est tout simplement magique parce que lorsque la toile est terminée, on se rend compte que nous, on va voir un motif abstrait, mais d'une telle puissance, d'une telle maîtrise que ça devient une œuvre d'art. Alors que pour eux, ils vont même parfois chanter pendant la réalisation de l'œuvre. Ils vont chanter parce qu'ils ne sont jamais seuls quand ils peignent. Il y a les enfants, les femmes, tout le monde est autour du peintre. Et en fait, chaque fois qu'il chante, il transmet une information. Et tout le monde sait que le chant, c'est le moyen mnémotechnique le plus important pour retenir les choses. Et du coup, l'information circule au sein du village et se transmet. Quand on dit l'art premier, ce sont des peuples qui n'ont pas d'écriture. L'écriture, en fait, c'est la peinture, c'est l'objet, c'est l'art. L'art dans le concept occidental, bien évidemment, puisque l'art n'est qu'un vecteur pour permettre d'apporter une information auprès des plus jeunes. Alors, vous parlez de transmission, vous parlez d'unité. Qui est Didier Zanette après une telle expérience? Est-ce que, en tant qu'homme, ça vous a changé? Est-ce que vous avez une perception du monde qui est différente? Parce qu'entre cette culture et la nôtre, c'est quand même le grand écart. Et vous avez raison de le dire, lorsque j'ai démarré dans ce monde, lorsque j'ai découvert le monde océanien, on peut parler de grand écart en effet entre la vie en ville et la vie de ces gens qui finalement, même s'ils gagnent de l'argent, vivent toujours comme avant. Ils vivent chichement, ils ont cette envie de rester connectés à la terre, de rester connectés à leur environnement, aux animaux. Ça m'a offert une opportunité assez forte de comprendre les hommes et les femmes. On peut vivre avec quasiment rien et trouver du plaisir et du bonheur dans tous les jours. Une chose importante, vous disiez, en fin de compte, ils sont toujours unis, ils sont jamais seuls. Je veux dire, aujourd'hui, on vit dans une société à ce jour où il y a beaucoup de gens seuls. Ça, c'est quand même un peuple où vous parliez d'argent, de moyens, mais ça n'a rien à voir. Je veux dire, c'est pour ça qu'on parle d'unité et d'être revenu dans nos contrées. Je veux dire, est-ce que ça vous a changé quelque chose au niveau des rapports humains? Oui, on les prend avec plus de distance, en fait. Je crois qu'on garde un certain détachement. On se rend compte que la vraie vie, c'est cet environnement familial, c'est cet environnement avec la nature qu'on a totalement perdu ici dans les villes. Le monde évolue très vite. J'ai une chance inouïe de pouvoir participer à des témoignages, des cérémonies, à vivre là. La vie qu'ont pu vivre peut-être je veux dire, les hommes il y a quelques milliers d'années. Ça me rappelle un voyage que j'ai effectué en Irian-Jaya. Je suis parti dans une zone qui n'est même pas cartographiée. Et j'ai rencontré des gens qui soit n'avaient jamais vu d'homme blanc. En tous les cas, lorsque j'arrivais, les enfants pleuraient. Ils ne savaient pas si j'étais un extraterrestre. On se demandait qui j'étais. Lorsque j'arrivais dans un village, les villages étaient vides. Et en fait, j'étais épié par tout le village. Ils attendaient dans la forêt, puis ils me regardaient pendant 2, 3 heures. Et après, le soir, ils sortaient, ils venaient me voir. On commençait avec mes guides, qui ne parlaient pas forcément le même langage, mais commençaient à dire « Non, mais tout va bien, on est là, on ne fait que passer, etc. » Et en fait, ces gens qui vivent dans un monde tellement différent, ils n'ont même pas ni le métal, ni... C'était vraiment un choc. Je crois que c'était dans mon expérience, c'était en 2003, ça a été un vrai choc culturel de rencontrer ces populations-là. Ils vivaient dans les arbres, ils avaient des maisons qui étaient. C'était le peuple Kombaï, donc en Irian-Jaya. Et j'ai passé. Ils me racontaient des histoires incroyables, qu'ils mangeaient encore leurs congénères lorsqu'ils se faisaient la guerre. C'est ce monde-là, en fait, ce monde oublié, qui perdure dans encore certaines régions. De Papouasie, l'Irian-Jaya étant la partie est de cette grande île-là. Et je crois qu'il y a encore beaucoup d'endroits à visiter, quand je dis à visiter, à découvrir Bien sûr. et à rencontrer des populations qui ne vivent pas pour le temps passé, mais qui vivent pour être présents sur cette planète. Mais disons que la notion du temps Est totalement est différente. totalement différente. D'ailleurs, vous avez écrit des livres. Est-ce que vous pourriez m'en parler un petit peu?
Voilà, les livres que j'ai réalisés, c'est un pour rendre hommage à ces peuples, parce que ce sont des gens qui m'ont fait, malgré tout, vivre correctement. Et lorsque j'ai démarré dans ce monde-là, je trouvais très peu de livres sur l'art océanien, des livres de musées qui mettaient en avant l'objet magnifique, l'objet principal, la statue, le masque, etc., très bien décrit, et qui avait été ramené, bien évidemment, à des périodes comme le 19e siècle, lors des premières collectes à cette époque-là. Et moi, j'ai voulu, pas démocratiser, mais j'ai voulu dire que l'art papou dans tel endroit, ce n'est pas un seul objet. C'est 50, 100, 1000 objets. C'est tellement varié que j'ai écrit des livres qui s'appellent 100 objets de navigation, par exemple, 100 objets du bestiaire mélanésien. Parce que je voulais donner cette dimension de richesse artistique. Vous vouliez transmettre à votre tour. Voilà, je voulais transmettre ça et je voulais laisser quelque chose pour ces gens, pour dire que, pour ces populations, pour dire, voilà, vous êtes riche de votre culture et il faut le faire savoir. J'ai fait tous ces livres à mon compte, à part un très grand livre sur les objets d'art des îles Salomon, et plus particulièrement sur un travail réalisé dans un coquillage qu'on appelle le bénitier, le Tridacna gigas, où là, je me suis associé avec un de mes amis qui s'appelle Éric Lancrenon, et on a écrit un livre sur qui a duré une dizaine d'années entre l'expérience de terrain et les recherches faites dans les musées qu'on a pu se partager à deux. Et nous avons eu la chance de réaliser un livre assez étonnant sur des objets d'une grande sensibilité. Ce sont des objets qui sont travaillés dans le bénitier fossile. Ces objets sont liés bien évidemment aux dieux, à la guerre. Ce sont des objets de parure. Ce sont des objets d'échange, c'était des objets qui étaient utilisés pour payer des terrains. Et donc ce livre assez précis et assez complet, c'est un des premiers qui a été réalisé justement sur ce sujet, fait aujourd'hui partie des références dans le monde de la collection et de l'art des îles Salomon. Quel genre d'enfant étiez-vous ? J'étais un enfant gâté, je dois dire. Je suis né au Maroc. Une enfance plutôt orientée vers les voyages. Et c'est ce qui m'a donné envie de repartir par la suite dans ces régions-là. Alors, vous avez exposé également au Quai Branly et au Musée océanographique à Monaco. Ces deux expériences, pourriez-vous m'en parler ? Essentiellement, j'ai exposé au Musée océanographique de Monaco. J'avais répondu à un appel d'offres. J'ai été choisi pour présenter des œuvres océaniennes liées à la partie de la navigation, tout ce qui était lié avec la mer. Parce que vous savez bien que le Musée océanographique de Monaco a cette spécificité-là. Et ça m'a pris deux années complètes de ma vie pour préparer l'exposition. Et ensuite, ça a été 6 mois d'exposition où j'étais plus ou moins présent, mais avec des conférences, une expérience bien évidemment incontournable dans ma vie. Alors, la Galerie des Aides est située à Nice. Pourquoi Nice ? Et où est-elle située exactement ? Je suis à Nice parce que la ville est très belle déjà. Et j'apprécie l'endroit, j'apprécie la Côte d'Azur. C'est 300 jours de soleil par an, donc ça me rappelle un peu mes régions chaudes. La galerie est située devant le musée Masséna. C'est une belle galerie où j'ai essayé de recréer un univers de cabinet de curiosité. J'y insère des masques africains, des masques océaniens, des statues, mais également du mobilier français du 18e et 19e siècle. Ce que je veux montrer dans cette galerie, c'est que on peut s'intéresser à tous les arts et on peut les connecter, un petit peu comme avait fait Picasso avec les œuvres d'art premier. Je crois que ça donne une ambiance assez extraordinaire, une ambiance de voyage également. J'ai envie de transmettre encore mes aventures au travers de ces objets dans un contexte français. Mais écoutez Didier, c'était vraiment un plaisir de vous rencontrer et je vous remercie pour votre accueil. Merci Corinne d'être venue également ici. Merci beaucoup.
Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro d'Armagnacs. À très bientôt.